Recoucou. Alors, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo à la suite d'une autre pour un unboxing ou autre, mais en tout cas, j'ai reçu une toile aujourd'hui. Et dans cette vidéo, du coup, il y aura une toile que je vais vous présenter pour moi et une toile que je vais vous présenter pour vous. Alors, tenez-vous prêts parce que c'est de la bombe. Moi, j'adore cette toile. D'accord, ok. Bon, on va que Twix qui va faire cette vidéo avec nous, hein. Du coup, je viens de rentrer, c'est pour ça que je suis contente. Du coup, je suis désolée de la tête que j'ai, mais je suis très fatiguée physiquement, mentalement. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas forcément le sourire, même si j'essaye de l'avoir. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je n'ai toujours pas pris de scalpel ou de ciseaux, mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est celle que j'attendais. Bon. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va recevoir parce que à chaque fois c'est on dit que le truc il est à la douane alors qu'en vrai il est là, mais bon bref, c'est pas grave. Hein. Donc c'est une des toutes petites toiles en ce moment que j'avais commandé, que je vous présente du coup. Je vois que le vendeur a écrit des choses. Alors, le toolkit, moi qui pars à la poubelle malheureusement, comme je vous le dis, mais c'est comme ça. Alors, c'est une toile 15 par 20 en 16 couleurs en diamant rond qui se présente comme ceci. Hop. On a les symboles comme ceci. Et comme vous le savez, moi j'adore des styles différents. Je ne suis pas un seul style de DP, même si en fait mes DP, en gros, comme je sais qu'ils vont aller encadrer dans ma maison, ils vont être encadrés dans ma maison, ben forcément, c'est des DP un peu tous différents. Et celui-ci, c'est le jour où j'aurai un coin à moi avec une coiffeuse, etc. Me mettre, enfin, accrocher ceci, du coup, dans une pièce où il y aura. Ma coiffeuse avec du maquillage, ben voilà quoi. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai commandé. Alors je ne sais pas du tout ce qui est marqué, mais ça doit pas être. Il y a un truc de fameuse marque de Sean, ce que vous savez, je ne sais pas si tu dois le dire sur YouTube, donc voilà, Chanel en gros. Donc avec des fleurs et j'ai adoré ce petit donc d'épée. Qui est tout petit, mais franchement, qui paye pas de mine. Hein, il est pas magnifique, mais franchement, il est super joli. Je trouve que. Je suis en train de dire que je fais n'importe quoi là. Bref, il est beau en fait, mais peut-être un peu plus grand, il aurait été plus joli. C'est ce que j'allais dire. Mais franchement, je pense qu'il va quand même bien donner. Il va aller hyper vite à faire, comme vous le savez. On a Twix qui veut pas. Qu'aujourd'hui on voit ma tête. On remarquera. Niveau diamant, hop, c'est arrivé comme ceci. La toile, elle a été juste enroulée comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il veut pas. Il veut pas. Non, ma mère, elle ne montrera pas sa tête. Donc, du coup, on a la petite feuille de route qui a été pliée. Je vais faire extrêmement attention. Ce qui est trop bien, et j'arrêterai pas de vous le dire, c'est que. Sont dans des sachets et ouais, c'est trop bien ça. Il y avait directement les numéros et tout, franchement j'adore. On a donc la feuille de route qui se présente comme ceci. Je sais pas pourquoi le vendeur a marqué 98 dessus. Bon bref, on a un sachet de chaque, on a 16 sachets en tout. Et voilà, on a 1300 diamants. Apparemment, blanc, mais j'y crois pas trop. C'est un sachet de 1300 diamants alors. Je sais pas. Mais il mange ma plante. C'est une plante pas naturelle du tout en plus, synthétique. Ouais, je sais pas. Il y a la DMC, donc on a du 310, il est en train de faire des bêtises. Du 33-71, on a du 33-65, donc des couleurs assez basiques. On a aussi des couleurs que j'ai jamais vues. Genre le gris là, je l'ai jamais vu. Après, j'ai tellement fait de DP aussi que voilà.
Donc voilà pour la feuille de route. Je vais essayer de replier ça comme il l'a fait. Il a plié ça vraiment à la chinoise alors. J'adore les Chinois, attention. J'adore vraiment. Je les adore les Chinois. Bon, même s'ils nous ont donné un peu le Covid. Je les adore. Alors. Nous avons ça. Maintenant, j'ai une autre, du coup, c'est une surprise pour vous. Alors, comme vous le savez, j'ai lancé un concours. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le tirer. Je pense certainement que ça sera courant avril. Je pense que ça sera courant avril. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait des commandes chez des créateurs d'accessoires EDP, etc. Et en fait, les commandes n'ont toujours pas été envoyées. Et en fait, je vais faire absolument le tirage au sort quand j'ai reçu les produits. Parce que j'aimerais vous faire une vidéo de tout ce que je vais vous faire gagner. Je pense que dans ma tête, il y aura plusieurs gagnants. Donc voilà, dans ma tête, je veux quand même faire gagner plusieurs personnes parce que ça me tient énormément à cœur. Parce que je ne sais pas si, bon, pour les nouveaux, etc., j'ai personne dans ma vie, en fait, à part vous, là, maintenant. J'ai quasiment personne. J'ai pas de famille. Enfin, bref, voilà. J'ai ma famille à moi, donc mes enfants. Mais voilà, du coup, j'aimerais trop vous remercier avec un concours. Je suis en train de regarder le chat, faire de bêtises. Du coup, là, j'aimerais trop remercier faire un concours, etc., vous faire gagner de tout ce que vous faites pour moi, donc c'est-à-dire regarder mes vidéos, s'abonner, mettre des commentaires, ça me fait énormément du bien moral, clairement, tous les jours, quand je vois que vous m'avez mis un commentaire, etc., ça me fait vraiment plaisir. Du coup, pour cela, la toile que je vais vous faire gagner, elle est quand même assez grande. Elle est quand même assez grande, clairement. Non, je vais vous la montrer. Sachez que ça me fait énormément plaisir de vous la faire gagner. C'est une toile que vous ne verrez pas ailleurs, clairement, parce que je l'ai trouvée dans un magasin. Après, il faut vraiment que vous connaissiez vraiment tout. Mais niveau DP, hein, niveau magasin et tout, mais il y a des magasins où vous ne savez pas qu'il y a du DP et en fait, il y en a. Mais voilà, cette toile, je ne pense pas que vous la retrouverez ailleurs. Donc... voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est une toile sur châssis que je vous fais gagner. La taille, je ne sais absolument pas, mais il me semble qu'elle doit faire 60 par 50. Je ne sais pas du tout. Je vous avoue que là, je suis... je ne sais pas du tout. Elle fait quelle taille? Mais elle est grande quand même, enfin, je sais pas. Je pense que vous le voyez là par rapport à ma main. Voilà. Hein, elle est énorme par rapport à un DB de 15 par 20 par exemple. Voilà, elle doit faire. Ouais. Ouais, peut-être 40 cm en hauteur. Ouais, 40 je pense. Et peut-être 60 en longueur, je sais pas trop. Donc, c'est une toile comme ça, avec une chaise et le bouquet de fleurs. Je trouve magnifique, franchement. Je la trouve magnifique, cette toile. Donc, sur châssis, hop, vous voyez, elle est toute neuve. Vous voyez, derrière, elle est gonflée. Alors, je vous montre un peu comment c'est, hop. Bon, vous voyez, je la trouve vraiment, vraiment très, très jolie. La particularité de cette toile, c'est que c'est une toile toute en strass. Donc, c'est une toile toute en strass qui est comme les diamants sont comme ceci. Hop, ils sont tous en strass. Vous avez énormément de couleurs. Tous les numéros sont dessus. Tous les numéros sont dessus. Et vous avez la. Ce qu'il faut pour la monter, ce qu'il faut pour l'accrocher, donc les vis, etc., des pinces. Et puis voilà, donc vous voyez les jolies couleurs de strass que c'est.
Ils sont super jolis, les diamants. J'adore, franchement, j'adore. Donc, je n'ai pas du tout regardé. Mais franchement, vous avez des jolis strass. Vous voyez, vous avez des jolis strass. Hop. Donc, voilà. Donc, c'est une toile qui sera à gagner. Je vous laisse participer au concours sur la publication où j'ai mis le concours en place. Et n'hésitez surtout pas à participer parce que vous voyez qu'il y a pas mal de choses à gagner déjà. Déjà là, on est sur 4 toiles. Il y a 3 toiles à gagner pour le moment. Alors, il y en a que je ne vous ai pas encore présentées, mais je les ai. Là, pour l'instant, vous avez eu 2 toiles. Et voilà. Et comme je vous ai dit, il y a une barquette en résine qui arrive. Mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais l'avoir. Il y aura peut-être de la cire, il y aura un stylet aussi qui a gagné. Il y aura plein de petites choses à gagner. Voilà. Donc, je vous montrerai tous les lots qu'il y a à gagner. De toute façon, dès que je reçois tout, je vous montre tout. Je pense que ça sera en avril. Mais j'espère de tout cœur que je vais pouvoir faire le tirage au sort en avril. Parce que ça me tient énormément à cœur. Et donc non, ça ne sera pas en poisson d'avril. Mais voilà, donc je vous ai montré la toile qui sera du coup à gagner. J'espère que ça vous plaît et que vous allez du coup y participer. Ça serait hyper cool voilà, que vous allez aimer du coup la faire si vous la gagnez. Parce que je trouve qu'elle est hyper jolie. Et en plus, une toile mais que de strass. Je trouve ça de diamants cristaux, voilà. Je trouve ça hyper joli. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ce. Et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à me partager toutes vos petites expériences. À bientôt.